YouTube, bonjour, bienvenue. Nous sommes toujours avec Baxter Bellish, qui est, contestable. Contestable et contesté, notamment par le chat sur Twitch. Rejoins-nous d'ailleurs. Comment tu le nommerais, toi, d'ailleurs, YouTube Baxter là? C'est quoi le petit surnom que tu lui donnerais? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner. Alors, tu vois que ici, dans le coin, il y a un petit truc Warpass, c'est parce qu'il y a une petite OP. Mais quand tu verras cette VOD, elle n'aura plus lieu. Donc, n'en tiens pas compte. Et désolé si ça bouffe une partie de l'écran. Voilà. Mon widget fait tâche. Oui, je sais. Mais c'est fait exprès. Je fais tâche, le widget aussi. Tout le monde fait tâche. Je ne me spoil pas, je reviens plus tard. Ça marche, Zerdan. Et bah, à tout à l'heure. Donc, nous sommes toujours à la tête du Val, bien entendu. Avec donc Baxter. Objectif. Déjà, essayer de faire quelque chose. On avait pris pied de l'autre côté du Détroit. On va essayer de s'avancer un petit peu. Est-ce qu'on est déjà en train de justifier? Je ne me rappelle plus. Non. Ah ben, parce qu'on n'a pas d'argent. Oui, on va probablement se faire chier dans cette VOD. Je vous le dis. Mais bon. C'est pas grave. Nous sommes heureux d'accepter votre proposition d'écuyer. Oui, d'accord. Je me remets... Pacteur l'indécis. L'indécis, c'est pas mal, ouais. Je me remets quand même difficilement de ma gueule de bois, là. Hein. Je suis en full... Je suis en full hangover, hein, comme disent les Américains. Il me donne 150 balles, mon ami. Bon, merci, Pepper. Ah, ça, c'est gentil, ça. Baxter, le gentillet. Le con. C'était bien une ref à Goustan le Cruel, on est d'accord. Clara deviendrait mon ami. Ma courtisane et liaison. Ouais. Bah, c'est vrai que si en plus on peut être amis, c'est mieux. On a un mec dans la team 3, il s'appelle Tarte Bichon. C'est vrai. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Mois, c'est beau. Merci beaucoup, The Maxou, pour les 5 mois de sub. C'est gentil, c'est beau. Comment ça va? Le mou. Ah, c'était bien ça, la ref. GDL, le jeu, je l'ai installé pour créer le compte, pour créer direct en jeu. Un contrat où il faudrait passer par un autre lien. Hein? Pour créer le compte, on peut créer direct en jeu. C'est-à-dire. Pas compris ta question, Galeros. Mountain Blade, c'est pour quand? Eh bien, un jour, je ne sais pas. Pourquoi pas? À la boulette. 2023, à la boulette. De Maxou, merci beaucoup pour le savoir-faire à crypto. C'est gentil. Merci énormément. Mais alors attendez, si vous voulez me soutenir, au lieu de claquer de l'argent, passez par le lien qui est dans le titre. En vrai, vous éviterez de claquer de l'argent et ça me soutiendra autant. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, gardez votre argent. Allez. Je te jure que je suis prêt à ça. Ça marche, The Maxou. On va passer sur Warpass d'ici une petite heure environ. Au cas où, pour information. Et Team Gary, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ah, t'es prêt pour Mountain Blade? Mais en vrai, pourquoi? Hein, attends. Oh, j'avais un... Merde. Oh, j'avais un Vélarion dans mes prisons. Et salut, Team. Comment ça va? Oh, zut. Ça pourrait être sympa d'essayer de copuler avec les Vélarions, là. Ça pourrait devenir Ovalirien, ce serait cool. Bref, on justifie ou pas, là? Non, toujours pas, hein, parce que, oui, parce que toujours pas l'argent, du coup. Est-ce que j'ai des gens à libérer, là? 3, ouais, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas des masses. Et salut, Mister Fouras, pardon, comment ça va? Variole, un jour nouveau, c'est bon. Et donc, c'est Penny Coxwell qui est mort pendant l'épidémie, terrible. Terrible. Je sais pas ce que ça fait. Hein? Oula! Vous jouerez le Lord de la Griffonnière? Alors non. Ah, ça n'a pas été traduit. Ah oui, c'est parce que ça, si... Attends, putain. Attends, je pourrais jouer un haut valyrien? OMG. Mais non, hein, je vais pas le faire, mais... Oh, il y a ça! Il y a ces événements-là qui sont apparus dans les nouvelles versions. Nice. Axel Day, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Bienvenue. Ok, en fait. Donc, une petite révolte, quoi. Qui sert à rien, mais... Salut à l'ombre des maris, comment ça va? Ça me tarde, il y a une mise à jour du monde pour jouer les Dothraki, ce que je trouve ça nul quand un lord perd son tétis barre au-delà du mur. Eh oui.
Tout à fait. Mais il y a déjà des ajouts qui ont été faits là. Infliger la purge du PSG en parallèle, tout va bien. Aïe, aïe, courageux, Mister Fouras. Si tu veux t'occuper aussi, n'hésite pas. Pour l'exclamation, Warpass. Bien sûr. Ça soutient la chaîne. Et cette musique est incroyable. Lesquelles je sais pas. Mais en fait, la mise à jour 1.6 du mode est sortie. Mais moi, elle s'est pas téléchargée chez moi comme par hasard. Mais on est passé en 0.1.5. Ouais. C'est déjà bien. Bon, mais je m'implique pas, moi. Ah, ça dépend, il y a qui dans sa guerre, déjà, là. Ah, il y a les terres de l'orage. Ouais, c'est tout, en fait. Ah, c'est pas très intéressant. Tout le monde est neutre, autrement. Non, mais je reste neutre. Ah, j'étais gouverneur de l'Est. Incroyable. C'est depuis la sortie du mode où je me tape tout TVOD parce que je suis en mission. 3 de revenir sur le PC en voyant tes parties. Let's go, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de ta fidélité, du coup, c'est gentil. Et bienvenue. En ce moment, il y a Enlightenment, la gaz exclusive au Linux. Putain, je l'ai pas là. J'avoue, je ne l'ai pas. Hop. Ah, c'est très cool, vous téléchargez Warpass. On va s'y mettre bientôt. Oh, j'ai coupé la musique. Je suis abattu. Je suis deg. On va vraiment se faire chier tant qu'on n'a pas d'argent. Bon, après, ça remonte vite. Ça va. C'est ok. Dans le conflant, là. Toujours pas marié, mon cousin, du coup, hein. Ils vont mettre toute la map, j'espère. Ah oui, ils le feront, en fait. Sinon, ils n'auraient pas prévu tous ces espaces-là. En fait, il faut, pour voir ce qu'ils veulent faire, il faut aussi regarder le mode sur CK2. Et il y avait, en gros, une dizaine de dates de départ et toute la map. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste que là, on est en version 0.1 et quelques. Donc, forcément, c'est encore très incomplet. C'est normal. Sylana. Il va gagner de l'argent avec ça. C'est bien ça. Bon, liens familiaux. Merde, c'est pause. Ok, on complète complètement le truc de la ruse. Et après, on changera. Du coup, on ira plutôt sur le truc culturel. Joie Taylor, tu seras du Val. Ouais. Tu vas aller battre les sauvageons. Bah, je pense pas. Hein. C'est, on verra quand on aura le trône de fer si on l'a. Mais je pense pas. Hein. Est-ce que j'ai une liste avec tous mes modes? Alors, c'est pas compliqué. J'en utilise que 2,5. À savoir ici. Le mode Game of Thrones, à Goth. Le patch en français dessus, qui est développé par la communauté FR. Et les clans des montagnes, en fait, on peut pas parce qu'on peut pas y accéder. Ils sont bloqués par les montagnes, ils peuvent ni sortir et personne peut y rentrer. Et le seul autre mode que j'utilise, c'est pour les personnages, c'est Barbershop, c'est ça, en gros, c'est pour pouvoir changer des trucs, faire des screens. Et si vous voulez ensuite faire des vignettes pour YouTube, hein, vous mettez un vieux fond dégueulasse. Comme ça, c'est plus simple pour découper, vous voyez. C'est tout. C'est le seul mode que j'utilise. Souffrance exquise. Oh oui. On va faire un chef-d'œuvre. Alors attends, qui on va torturer? Créon? Ou lui? Bon, il est déjà défiguré, donc autant continuer. Du coup... Le Val est devenu le nid du moineau, exactement. Trop bien le dernier mode. Ouais, c'est cool en vrai. Ça fait moins mal. Façonner son corps écorché dans une belle sculpture. Il va me chanter une douce chanson d'angoisse. Je vais le briser, en faire mon esclave. Ouais. Alors, putain, j'obtiendrai le surnom le briseur d'âme. Ici, rien du tout. Et là, le fouetteur. Plutôt fouetteur ou briseur d'âme? À votre avis? Et salut Nabucodonosor, comment ça va? Go faire une game troll avec le clan des montagnes, putain j'avoue.
Et bonjour Denot, comment ça va? On va faire un aigle de sang, putain. Du coup, moi je me dis, on était les doigteurs à la base, maintenant nous sommes les dactyliens. Ah, bien sûr, ça a changé. On pourrait être le fouetteur, du coup. Ça impressionne. Ah, il y a de brise. Ah, il y a deux écoles, du coup, là. Quoi qu'il arrive, ça nous fait stresser de ouf, par contre. Alors, ça me fait moins stresser d'être un briseur d'âme. C'est un petit peu en mode. Comment il s'appelle Ramsay Bolton. Avec Theon Greyjoy, quoi. Je pense qu'on va partir sur Briseur d'âme, parce que ça me fait moins stresser. Et en plus, du coup, il m'aime bien. Plus 1000 d'opinion. Le fouetteur, ça fait Géo de Donjon SM. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, avoir un esclave. Alors, c'est mal, bien sûr. Mais, Ah, c'était un maître, en plus. Ah ouais, let's go. Ok, on va briser mentalement un maître. On va faire ça. Pour remodeler l'esprit de Eldric, je dois d'abord le soumettre à un stress extrême. Je devrais choisir avec soin une méthode de torture à laquelle il sera particulièrement vulnérable. Soulier par lien capillaire. Ah, c'est l'heure de la soupe. Donc alors attends, torture physique, privation de nourriture et de sommeil, humiliation et déchéance. Bon, vu qu'on n'a pas pu être fouetteur, on va quand même aller dans l'humiliation. Ah bah merde, j'ai hérité d'un truc. Ça, je voulais pas ça. C'est qui Edmund? Mon fils? Ah oui. Bon, on va donner ça. À qui donc? Attends, parce que c'est où? Précisément. Ah, c'est là. Ah ouais. Non, mais je vais le redonner à quelqu'un. Je l'avais donné à quelqu'un d'autre que ma dynastie. De toute façon, Isambard. Let's go. Tac. Déchire les livres, si c'est un mess. Jamais. Monsieur, je ne pourrais jamais faire d'auto-dafé. J'aime vachement bien faire. Je sais qu'ils ont retravaillé également des. Dans le mode, ils ont retravaillé des trucs là, graphiques. Je sais pas où, par contre, j'ai pas regardé. Mais ouais. C'est une bonne situation. Vous savez, je crois pas que. Oui, bien sûr, être d'arbichon, c'est vraiment très très bien. Oh, ils sont. Ok. Donc, toujours du Baratheon ici. La reine, ça se passe comment sa guerre? Ça se passe bien. Par contre, elle est en train de perdre contre Dorne. C'est terrible. OMG. Avec ce chapeau, le maire. Bah oui, parce que ça impliquerait que de devoir les acheter avant. Et du coup, vu que j'ai pas envie de leur donner d'argent. Oui. Faudrait qu'on puisse s'emparer de Port-Réal et tout faire brûler. Non, mais c'est joli, Port-Réal. Une mini cinématique quand le roi lâche le feu grégeois, c'est bien foutu. Oui, je confirme. Je l'avais vu parce que dans une de mes game tests, il l'avait fait. Et après, ça devient complètement rasé le truc. Et c'est tout vert et tout, ça crame. Pendant plusieurs mois en vert, c'est très très beau. J'aime bien. Et après, il faut tout reconstruire en fait. Si tu possèdes le comté, tu dois recréer une ville, enfin, plusieurs même, etc., etc. C'est bien fait. Bon. Ah, on va bientôt avoir la thune. Du coup, c'est bon. On va pouvoir commencer à justifier par ici. Alors attends. Peut-être pas directement le trône de fer. Sérieusement? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça a été traduit en repère patibulaire? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il a crié guerre. Je sais pas, tomber sur surprise mentalement. Ouais, ça c'est sûr par contre, ça va. C'est beau pour réel, mais j'aime bien quand c'est détruit. Repère patibulaire donc. D'accord. Alors que mon siège se baisse encore. Voilà, vous savez tout. Repère patibulaire, mais il n'y a pas Mickey. Oh, joli la ref. Bronze Holm. Vas-y, on va faire ça. On va justifier ici. On va justifier le bronze. C'est bien le même duché de toute façon. Oui. La presqu'île de Claquepince. Comme le Neunersonberg. Patibulaire, mais presque. Moi, j'avais plus celle-là, tout à fait. La tortue... ah, alors, tiens, on continue avec Edric. Torture physique et douleur, privation de sommeil et de nourriture. Bon, on commence par la torture physique, le classique, tranquille. Alors que mon fils est adulte. GG à lui. J'ai pas assez de prestige. Comment? Comment ça, j'ai pas assez de prestige? Coup 1800? Faveur du mariage non accompli. Quoi?
Ah non, mais c'est bon, ils sont déjà. Oui, ok. Traduttore, traditore. On va conquérir quoi maintenant? Bah en fait, on va s'avancer dans la péninsule du Claquepince. On va jouer au Claquepince. Ça me fait tellement penser à Futurama. Meilleur dessin animé Futurama. Ah, c'est vrai que... Oh là là, terrible. C'est vrai que j'ai le lore de Roland Lacrotte, qui est mon intendant. Alors, attends. Où est-ce qu'on va encore promouvoir la culture? Là, c'est fait, donc. Hein. On est donc dactylien dans les aériens, c'est cool. On l'est ici aussi. Et ben, on va continuer par là. Hein. On va essayer de faire toute la côte. Paf. 5 ans, ça va. On va conquérir sa cousine pour étendre le royaume. Mais en plus, là, je suis en train de regarder, mais mon cousin, il est... Ah, c'est bon, il y a quand même des gens qui ont le sens de la famille. C'est bon. La descendance des Belliches est quand même assurée dans le conflant. T'as brûlé le pull de Freddy Krueger. Ça? Ah ouais? Ah peut-être. Ou elle? Elle ressemble pas à la bonne année, comment dire. John Belliche, Renz Belliche. Ils sont nuls. C'est lui que je vais incarner un jour, il est nul, quoi. Avant, il avait un truc rayé. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, le pull, ok, oui, je vois. Et le Nord, est-ce que je compte m'en occuper? Alors, j'aimerais bien, mais regardez leurs troupes. 38 000. J'ai pas les... Je peux pas. Sauf si, c'est vrai que j'arrive à m'allier avec le conflant. Faudrait que j'arrive à m'allier avec le conflant, éventuellement. Et où? Les terres de l'Ouest, même s'ils sont en train de se faire déglinguer. On va voir. Alors, Eldric a enfin perdu espoir et ne lutte plus dans le cachot. Il est donc temps de passer à la deuxième étape et d'instiller suffisamment de culpabilité et de confusion dans son esprit pour nuire à son sens de la moralité, à sa résolution et même à son identité. Donc en fait, on fait vraiment une Ramsay Bolton, quoi. Affirmer que tout cela est une punition pour ses péchés, ouais. Le laisser espérer une grâce puis briser ses espoirs. C'est horrible, putain. Prononcer des paroles rassurantes tout en continuant la torture. Ouais, c'est rigolo. On va faire ça, je pense. Du coup, ça me fait stresser. Bah, super. Du coup, je vais être reclus. Et vraiment, Paxter, c'est pas ouf. Hein. Il y a des très jolis trucs, là, mais... Oh, d'ailleurs. Attendez, j'ai vu un truc. Faut que je vous montre. On disait, oui, nanani, nanana, les artefacts targariens ont été perdus et tout. Que nenni, regardez. Celle qui a récupéré, enfin, celle qui a hérité maintenant du trône de fer. Et là, toutes les couronnes des Targaryens. Alors, ce qui s'est perdu, par contre, c'est l'armure de Rhaegar. Mais toutes les couronnes Targaryens sont encore là. Donc, ce sera bien d'essayer de s'en occuper à un moment, quoi. Ouais, qu'on parvienne à faire un descendant qui hérite du Conflant et du Val. Ouais, ce serait l'idéal. Le problème, c'est que lui, il fait pas de gosse. Et que j'ai personne à lui fournir. Ah si, j'ai Clara. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? C'est une roturière. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai en fait. Comme femme. Il y a Benissa, mais elle est trop vieille. Il voudra pas. Il veut. Mais elle est trop vieille. Alors peut-être que ça va l'engager dans un truc. Genre il va se dire, ah ouais, on peut faire ça. Du coup, quand elle va mourir, il pourra se remarier, peut-être. Bon, on va le marier, on va voir. Attends, je vais essayer ça. On va bien voir. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, je le répète, télécharger Warpass. Et je ne sais toujours pas pourquoi le timer ne s'est pas déclenché. Ça rend fou. 9. Ouais, attendez, je regarde juste un truc sur le réglage. Hein. Je sais pas. C'est bizarre quand même. Heureusement, la commande elle marche. Hein. Vous pouvez taper point d'exclamation Warpass, mais. Mais bon. Mon cher cousine. Oui, bah écoutez, je suis non-binaire. Paxter, il est non-binaire. Du coup, ça marche. J'accepte volontiers aux propositions de mariage. Votre courtisane Benissa et moi sont réunis par le mariage. Je
Bon, Edric, tout ce que tu subis, c'est une punition pour tes péchés, je te le dis. Je te le dis. Prenons le camarade. C'est ça, c'est ça. Le compteur Warpass fonctionne. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est, si vous regardez bien, c'est pas les téléchargements. C'est, il faut atteindre certains niveaux dans le truc. Alors, si tu as déjà atteint le niveau 5, voilà. Du coup, bien joué, déjà. Tous les combien de temps tu l'as mis le timer? C'est toutes les 15 minutes, logiquement. Ou tous les 30 messages dans le chat. Mais ça, ça marchera pas. Mais normalement, c'est toutes les 15 minutes. Donc, je sais pas pourquoi il marche pas. Bon, en tout cas, il est activé, donc c'est le principal. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Lady Leona et ses satanés voleurs. Bah, con, le but c'est que vous ayez une chance. Ouais, c'est ça, Yachakov, exactement. Donc, bien sûr, ne tombez jamais addict au jeu. Voilà. Fiscalité clémente? Ok. Oh là là, incroyable. Merci beaucoup, Isha. Merci pour le deuxième mois de sub. C'est gentil. Merci pour le soutien. Il a cassé sa pipe? Ah merde. Du coup, je peux plus le torturer? Oh, je peux plus le torturer. Il a pas survécu à la torture. Bon, bah attendez, du coup, je vais en torturer un autre. Bon, ça, moi, elle a fini sa guerre, elle. Oula. Ah, mais le conflant qui perd des terres de ouf, là. Mais, qu'est-ce que tu fais, Michel? Mais il faut faire la guerre aux terres de l'orage, là, enfin. Ah, mais chez moi aussi. Horrible. Bonsoir le resub. Honteux l'OPSP Kappa, je reste pas, mais bonne défaite pour Paris ce soir et bonne OP pas 13P Kappa Kappa Darkabitcha Darkabitcha. Horrible. Mais je confirme, Lisha, merci beaucoup à toi et merci Elvixar également pour les 2 ans de sub. C'est gentil. Honteux l'OPSP, oui, il va y avoir une petite OPSP juste après. Mais t'inquiète Elvixar, même si tu ne peux pas installer le jeu ce soir, tu pourras jusqu'à mercredi et y jouer, bien sûr. Comment ça va? Messire, tu es élu remplaçant de torture, c'est ça? Unique par fax. Par fax, c'est quoi? Eh ben oui, mais c'est la guerre, mon petit Galoros. 2 ans, ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Génial, la VOD. La VOD va être incroyable. Mais attendez, parce que là, on rigole, mais les terres de l'orage sont en train de s'étendre au nord. C'est pas ouf. On va être obligé de leur taper dessus un moment, je pense. Hein. On a plus de soldats qu'eux, mais... Ah mais non, en fait. Ah mais non. Ils ont pris des terres chez... Voilà, c'est trop bien. Ils ont pris des terres chez les sauvages. Il faudrait que j'arrive à marier quelqu'un de chez moi avec eux. Mais je ne sais qui. Alors attends. Ici, là. Toi, Dumkal, fils de Aiga. Ouais, t'as 5 ans, c'est un peu jeune. Hein. Mira, c'est la fille de mon héritier. C'est très bien, ça. Mia, pardon. Oh, il veut pas, pourquoi? Parce qu'ils sont cachés dans le Val, bah oui, mais... Oh, les relous. Bonne nouvelle, tu vas quitter les cachots, mauvaise nouvelle, tu vas dans la chambre de torture. Ah oui, attendez, je l'ai pas fait du coup, tiens, paf, la torture. Ça me fait stresser. C'est pas grave. J'ai bien dit qu'on allait rejoindre l'alliance que t'avais créée. Ouais, tout à fait, Galros, tout à fait. Alors, je sais que c'est possible de rejoindre d'autres et ça compterait quand même. Mais le mieux, c'est de pouvoir y jouer tous ensemble. Enfin, bonne soirée, en tout cas, bon, là, ça marche, Elixir. Bisous. À bientôt et encore merci. C'est une énorme promotion, tout à fait. Allez, torture. Bon, on l'a juste torturé vite fait, quoi. 63 de stress. Aïe, 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 aïe. Compliqué. Pourquoi on n'a toujours pas justifié, là? 19 mois, ok. Vous obtenez le trait dépensier. Alors, non. Consommation excessive d'alcool. Je suis déjà ivrogne, je crois. Ouais. Bon, bah autant continuer, hein. Sauf que pour avancer dans le jeu, ça me demande de rejoindre une alliance. Eh bah, attends quelques minutes, Galros. Du coup. Comme ça, on pourra jouer tous ensemble. C'est à quel niveau que ça t'a demandé ça, Galros? Juste pour savoir, parce que je sais pas du tout. Oh. Je me suis maréchal du trône de fer.
Je suis ivrogne, je suis rebou dès que j'arrive sur le champ de bataille. Du coup, c'est que ça va vite en fait. C'est cool ça. Je suis level 5. Okay. Ah oui, t'es déjà monté level 5. Ah ouais, donc ça va hyper vite. Je suis la même, donc on va attendre ensemble. Let's go. Ok, c'est cool si ça va vite. Mais alors attends, pourquoi ça a pas. Pourquoi il a pas marché le... Pourquoi il a pas compté le War Pass in chat? Donc en effet. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le compteur marche pas du tout alors. Bah ouais. Attendez. Pourquoi? Alors non, je me tape pas le cul, ça marche pas. Peut-être que ça va s'actualiser quand je serai dans la catégorie Warpass. Peut-être. C'est bien tourné. Ah oui, 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 il y a bien l'arbichon à la fin, hein, mais d'accord. Hein. Vas-y, point d'exclamation Warpass, allez-y. C'est pété, bah oui, j'avoue. J'avoue. Ah, il y a un R de trop, c'est terrible. Bon, requête au Seigneur Lich, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais lui demander à ma Seigneur Lige? Oui, de toute façon, je peux claquer du prestige, on a de quoi. Envoyer des baillis pour le contrôle comptable, soutenir les religieux, relocaliser les sujets. Oui. Elle veut pas. Ah. Bon, bah, au revoir alors. Coup dur. Oui, non, c'est bien ça, c'est bien le bon lien. Exclamation, réclamation, mais exactement. Non, non, mais ça va s'actualiser, c'est sûr. Mais celui de la description, du coup, c'est le même. Non, non, c'est bon. Je lui demandais de descendre de son trône. Excusez-moi, vous pourriez descendre du trône, s'il vous plaît? Non? Ah, d'accord. Bon. Combien de mois encore? 13 mois. Allez, on y va. On y va, on y va. Distance du complot visant à assassiner la narrée découvert. Ah oui, non mais c'est ça. Ah oui, mais les gens. Mais oui, c'est ça, Dono a raison. Dono a raison. En fait, oui, c'est vous qui êtes niveau 5, c'est pas le... Il faut que le centre de commandement soit niveau 5. En effet. Donc non, c'est complètement... Ok, il est... donc c'est pas pété. Bon, moi je suis passé en catégorie Warpass quand même. Hein. Centre niveau 5. Ah merde, putain. Bon bah écoutez, Je sais pas. Tel cas, aïe aïe. Faut le faire avant de rejoindre une alliance, d'accord. Ok, ok. Eh ben continuez. Allez-y. Enfin, je sais pas. Ne me dites pas que ça va pas marcher. Imaginez le coup de génie, on séduit la reine, on lui fait un petit stone et on fait un scandale. Et tu sais que t'es pas bête, toi? ...0%. Bon, on va déjà essayer de devenir amis. C'est vrai que je comprends si séduire c'est compliqué quoi. Vu la tête de Paxter, ça va pas être fou. Comment ça, faction pour la liberté? Comment ça, autorité de la couronne plus basse? Dites donc, Hugues. Hugues de 4chan, qu'est-ce que tu... Pourquoi? Ça va pas, non? Alors attends, j'ai quoi comme allié au cas où? Ouais, c'est que en interne que j'ai des alliés, donc. Oui, bah alors, non. Mon fils, il est où? Pourquoi il est là? Bah, viens à ma cour, enfin. Aladar, alors lui, blessé. Ah. Bien sûr que ça marche, on s'en rend compte. Ah ouais, ça roule parfois. Ouais, moi aussi. Puissance d'alliance. Je peux pas me... Il y a personne d'autre. West Remarche. C'est où ça? C'est à l'ouest du coup, j'imagine, bien sûr. Bon, on va quand même tenter un truc avec eux. Ça fait toujours 9000 soldats en renfort au cas où. C'est la trahinette. Aïe, comme vous y allez. Peut-être qu'une enquête permettra d'éclaircir ce mystère. La chicane des trois sœurs.
Mon intendant m'a accompagné sur les quais pour faire le point. D'accord, ils ont vendu à des pirates. Oh, d'accord. Pas ouf. Titre. J'avoue. Westfold. Oh, joli. Courez. Ruine. Préparer un bateau pour partir à la rencontre des trois sœurs. Vas-y, let's go. On y va. Je refuse de devenir un tyran. Pardon ? Alors, je l'ai accusé, lui. Euson. C'est où les trois sœurs ? Ah, c'est là. Ah, c'est ça, les sœurs, en fait, ok. Bon, bah. On va dire que c'est pas lui, alors. On va dire que c'est pas lui. Il a 14 piges. Mon fils, il m'a pardonné de lui avoir volé de l'alcool pendant son enfance. Alors comment dire, c'était pour ton bien, mon vieux. Ah oui, c'est vrai, les trois sœurs, c'est là en plus, t'as raison, mais pourquoi... Oh putain, ils ont tout. Pardon. Ok, il a tout chopé, c'est vrai, j'avais zappé. Mais oui, les sœurs, c'est les trois îles, je suis bête. Je suis bête. Bon allez, on va faire une petite audience, ça fait longtemps qu'on n'en a pas faite. Boucher le trou dans le sol, bien sûr. Allez, audience. Poète, 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 poète. Justin Coxwell. Je viendrai ma pupille. Oui. Pourquoi pas? Ah. Les deux mères de l'enfant. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas choisir de faire le vrai truc de l'expérience de Salomon. Bon bah la plus jeune, hop. Ouais Choselou, comment ça va? Et salut Ruvon, comment vas-tu? Je peux avoir passe. C'est un jeu, c'est une OP ce soir, on va passer dessus dans quelques minutes. Et c'est gratuit, n'hésitez pas. Donc là Paxter il est dans le conseil de la reine, il donne sa vie à la main. Pour la guerre, ouais non mais c'est terrible. Merci Oslo, Oslo qui va rejoindre l'aventure Warpath. Espérant que ça marche, bien sûr. Alors, vous perdez 69. Tenant une cassure fragile sur la cinerie de Bronzholm. On y va. Bon, la guerre. Attaquons Bronzholm. 1954 soldats. Mesdames et messieurs, c'est parti. Pourquoi je peux pas? Oh putain, pardon, c'est vrai. Oh non, elle est relou. Déclaration de guerre autorisée, s'il vous plaît. Et je suis prêt à donner plus de soldats. Ok, c'est bon. De toute façon, elle va le rechanger. Donc, il faudra encore le rechanger. Ça, c'est un peu chiant, mais bon. Bref. Avanti. Il a combien de soldats, on a dit? Ah oui, 1000, ouais. Bon. Il va peut-être prendre des mercenaires, sûrement. Ouais, il en a pris. 11 000 soldats, c'est suffisant. Toc, meilleur commandant, Lord Garrett. C'est Warpef. J'active AdBlock pour utiliser ton lien. Eh oui, c'est vrai. Au début, en tout cas. Bon, voilà, vous avez vu, elle le change direct. Elle veut vraiment pas que j'éclaire la guerre, donc. Hein. Lord Farkad, cette dame. J'ai pas la ref. J'ai pas du tout la ref. Au scur. Par contre, pourquoi une faction? La liberté, sérieusement. Mais on est que niveau 2 en plus. Quelle vie. C'est-à-dire que je pourrais pas retirer de titre en cas de révolte. Ok. Bah admettons. Oh, les relous. Alors attends, parce que là, il y a combien de soldats dans la potentielle révolte là? 6 000, ouais. Ok, ouais, non, ils vont me rouler dessus.
Moi, j'ai pas le choix. On passe la loi de vassaux autonomes. Mais on y reviendra. Méchant dans Shrek 1. Oh putain, je m'en rappelais pas. Je choisis de vendre un chinois. Ah oui, moi je me vends à n'importe qui. Ijuin vendu, bien sûr. Toc. Ok. C'est conquis. On avance. Prochaine étape. Lui. Ou les patibulaires. Je sais pas. Plutôt les patibulaires. Ouais, on va faire ça. On va prendre la côte nord plutôt. Parce que là, on est face à Père Dragon déjà. C'est extrêmement stylé. Mais, attention. J'ai le carrefour pour la moule, exactement. Exactement. Non, en vrai, c'est aussi pour avancer plus vite sur le PC, bien sûr. On est au niveau 5. GG, Dim. GG. Il y a un club du nom de PSG qui a marqué, je sais pas si tu les connais. Qui ça? Je sais pas, moi je suis Napoli, moi. Sono Napolitano. Bah GG, ils ont réussi à marquer contre 3. Ils sont encore capables de perdre 2. Mais... Ah, je suis dépité par mon club. Je... Voilà. Le repos des freux. Mais c'est cool, ils ont commencé à vraiment bien travailler et traduire tout là. C'est qui a marqué Galros? Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Taïwan indépendant. Je me désolidarise complètement de ce message. Merci beaucoup, Oslo, pour le 27e mois, le sub. C'est gentil, merci énormément. Mbappé qui a marqué. Ok. Alors attends. Les subterfuges et les intrigues, bien sûr. Quel troll, Oslo. Quel enfer. Et Danzig, indépendant. Alors, faire venir un maître, ça va encore me coûter des ronds, ça. 6 mois? Ok. C'est qui? Oh, Clara, elle est malade. Oh, oula, elle a la peste. Ah oui, non. Ah bah Clara, désolé, mais là... On va tenter des trucs, hein, mais je pense plutôt que tu vas dégager. Hein. J'ai la réponse. Une rivalité. Avec une gamine de 11 ans. Pas sûr. Hein. Ouais, qu'on prenne Père Dragon. Ouais, de ouf. De ouf. Bon, moi, je vais être en rivalité avec une gamine de 11 ans. Donc. 160 balles? Oh non, non, non. C'est mort. C'est mort. Allez, hop. Au revoir, mon vieux. Plus tard, pour les messes. Plus tard. C'est bon, Clara est morte. Enfin, non, ah, oh, c'est terrible. Les boss ressemblent à une Targaryen. Mais en fait, il y en a plein qui ont. On sent qu'il y a une ascendance valyrienne quelque part. Mais. Je sais pas. Enfin, qui, où, quand, comment, quoi. Ok, mon fils est adulte. On va donc pouvoir le marier. Alors, qui donc? La route de l'océan. Avec une géante? Ouais, vas-y, let's go. Je la tentais. Et il est fait chevalier en plus. C'est très bien ça, mon vieux. Parfait ça. On est où dans le conflant là? Ils ont eu des gosses. Oh oui, c'est des filles. Bonjour. Enfant maladif. Ok, alors attends. Attendez. Comment il s'appelle? Rens. Ok. Rens, il est là. Pourquoi ils veulent pas? Il manque du prestige. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi il faut payer du prestige maintenant? Bah c'est bien, hein, je comprends, mais... Non, en fait. Attends, si c'était une autre que je prenais par exemple... Il faut payer pour marier, il faut... Oh, oh. Pas encore, Tim. Ça va venir, mais pas encore. Bon, bah, on va aller chasser pour du prestige, alors. Hein. Sauf que du coup, j'ai pas assez de ronds. Bon, on va attaquer eux, patibulaires. Je ne peux encore pas... Ah si, je peux leur déclarer la guerre. Je comprends pas, en fait.
Pourquoi je pouvais... Alors qu'elle a rechangé mon contrat vassalique, je sais pas. T'es marié des gosses de la même famille? Oui, mais là, c'est du cousin éloigné, c'est... C'est avant tout un hommage à Christine Boutin, enfin je... Allez. Paf. Les gongs. Ah, mon héritier était fait chevalier aussi, ça c'est très cool. Allez Micheline, si on pouvait la capturer pour aller vite, ce serait bien. Alors, qu'est-ce qu'il veut mon fils? La grande seigneurie de Goéville? Alors non, parce que c'est ma capitale. Donc non. Un jour peut-être, mais pas maintenant mon vieux. Pas maintenant. Putain, les dettes, par contre, ça va trop vite, quoi. Perdre vraiment trop d'argent avec la guerre, c'est assez ouf. Après, on aura de quoi rançonner des gens, quand même. Je sais pas si eux ont de l'argent. Ouais, ils auront pas beaucoup de thunes. Y'a rien. Là y'a rien. Ok. Ok. Des attentes. Quand même sont faibles contre Justin. Ok. La guerre c'était rentable, il y a d'où toutes ces pertes. Bah c'est vraiment la levée des armées. Hein. Moins 41. Ça coûte cher quoi. Bon allez, on va lancer l'assaut pour aller plus vite. 89, allez hop on y va. Combien de temps pour les trucs de l'OP? Jusqu'à mercredi, Oslo. C'est bon, let's go. Toc. Hop, c'est win. Bon, alors peut-on rançonner des gens? Apparemment, plus personne n'a d'argent, donc. Superbe. Superbe. Ça ne sert à rien, donc. Ok. Non, non, tu peux juste tout faire maintenant du tout. Non, non, t'inquiète, Oslo, t'inquiète, tu peux Valorant, tu peux. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu engageant pour les gens, de voir que d'autres le font, nanani, nanana. Tout ça, quoi. Bref, YouTube, sur ces deux conquêtes dans la région de Claquepince, j'adore ce nom vraiment, la presqu'île de Claquepince, pardon, on va couper la VOD ici, bien sûr. N'hésite pas, si ça te plaît, toujours à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement. On s'approche tranquillement, tout doucement, de Port-Réal. L'objectif sera, j'espère, bientôt atteint. Tchou!